Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Après 7 mois, président Jovenel Moïse, nous pas prendre initiative seulement pour nous demander justice président Jovenel Moïse. Nous prenons initiative pour nous demander justice pour tout le monde qui a assassiné, pour tout petit peuple, la petite nation qui mourit mal. Nous avons dit pour M. Doval, nous avons dit pour Minute Tatlan, nous avons dit pour les journalistes, pour tout le monde qui a assassiné, nous avons demandé justice. Nous ne collaborons pas pour l'AIA spécialement pour ça. Nous prenons l'AIA tout pour nous demander à Balaviche. À bas insécurité, à bas taux de dollars, tout, cap monté tellement haut, malheureux, par contre, ça pour le faire. Même gens politiciens te dit, malheureux, pas en fait. C'est même gens tout me dit, malheureux, pas qu'à manger, parce que la vie chère a tellement monté, son mal a été chargé, maman petite, papa petit, mais t'es mené quelqu'un après la mort. Soi-disant, Dieu dit, l'école va l'ouvrir. Parents n'ont pas compte si vous remontez, si vous descendez. Il n'y a pas même compte quand vous avez l'argent pour voir tout le monde l'école. Le peuple a dit, regardez bien quand elle va aller. Parce que la plupart des politiciens, ça ne sont pas des bluffeurs. Ce ne sont pas des menteurs. Ce n'est pas qu'on y a pour y avoir des accords pour dire qu'ils quittent l'accord en septembre. Depuis sous 3 mois, 2 mois où tu es supposé quitter parce que tu es Ariel Henry pas gagné que c'est venu régler pour le pays. Il y a des gens qui ont cité dans l'assassinat du président de la République. Les gens qui sont venus régler pour le pays. Ce n'est pas mon deal. C'est de CPJ qui dit que Ariel Henry a parlé avec Badjo pendant 2 fois après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous connaissons Badjo, c'est une dans l'hôtel principal. Assassinat président Jovenel Moïse. Nous comprenons. Moi-même, ça me dit dans tout accord à quoi Montana, ce tableau rond qui vous fait, retournez à zéro. Tableau rond qui vous fait là, faut dernière classe là, faut la donner. Comment te dit ça? Chaque côté ghetto, yo, n'est-ce qu'il y a des âmes, mais il faut dépêcher au monde dans chaque zone, ça, yo. Qui pour sous table négociation, pour yon ka di, ça a prévendiqué, pour yon ka di, comment faire terroriser la population avec les âmes qui n'en met yon. Tout autant que nous pouvons prêts pour nous faire comme ça, c'est la vie, monsieur. Je dis à la, si monsieur a des âmes, yon dit, papa c'est là, gouvernement dit, papa c'est là, quand vous attendez, vous attendez les âmes, parce que gouvernement vraiment, policiers, ce n'est pas travail, ce n'est pas de travail. Ils ont un bon service. Pourquoi ça fait pas capable? Ils n'ont pas de bon traitement. Ils n'ont pas de monde vraiment qui encourage. Parce que les policiers mourent, madame ni, pas de payer, quand ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ont doué combien de mois, ils n'ont pas de payer. Vraiment, ils n'ont pas de bon encadrement. Les policiers à côté de Bralé, ils prennent le même côté. Monsieur qui a des amis, il y a un paquet de policiers qui prennent des corps de la banque, prennent intérêt pour construire des quoi des bouquets, tout est obligé de lever, quitter quoi des bouquets. L'État n'est pas encadré. Ce n'est pas le service qui n'est pas bon. Ce n'est pas tout qui n'est pas bon. Vous comprenez ça? Je dis à son problème de mauvaise gouvernance. Ce n'est pas ni sous président Jovenel Moïse. Il a commencé depuis bien avant. C'est si il vient empirer là aujourd'hui là. Il vient empirer aujourd'hui là avec un paquet de faux politiciens qui tapent le peuple là faux espoir. Moi j'étais chita avec docteur Ariel Henry pour l'histoire et pour la vérité. Moi pas l'altérer c'est de voir pour me dal chita avec elle. Lui un chef pour me t'attendre ça le cap dit. Le cap dit on t'est chargé bon, si me donner l'argent. Là il y a plein monde. Les gens derrière l'argent dans le ghetto. Si nous avons l'argent, il y a plein de monde. C'est nous-mêmes qui avons collaboré
participation pas nous, chaque monde font bagarre pour nous faire ça nous faire. Ou pensez si nous avons l'argent. Ou pas après là il y a plein monde. Toute base qui t'après les mêmes autant de m'a fait manifestation. C'est quoi vous demandez moi te dis yo, ça qu'a fait jodi à ces monde qui voulait. Il est le temps pour nous revendiquer droit nous, c'est l'argent pour nous. Collaborer pas papier pièce monde. Haïtien, plateforme politique Victoire prend responsabilité pour dénoncer à toute force nous démagogie moun qui te signé accord Montana yo qui manigancé une façon pour non seulement commission médiation en chita avec yo en premier pour imposer condition pa yo mais tout minimiser ak rejeter participation tout secteur ak tout l'autre accord qui te proposé une démarche pour sortir nan crise politique nous retrouver une journée jodi a. Par exemple, les nous considérer à quoi c'est soc. Te gen plus passé 1000 organisations qui te campé à corée projet si là. Après ça, n'a joine à quoi peine. N'a joine à quoi du milieu. À quoi la ria. À quoi vision condition féminine. À quoi finale vertière. À quoi transition générationnelle. Contre PEP. Accord national pour libération d'Haïti, accord PETSAM et Latrier. Pour tout ça qui concerne les jouets, mesdames, qui est en rapport avec Neg Montana, yo. Premièrement, c'est proposer un gouvernement bicéphale pour installer le président Payo. Deuxièmement, c'est voir Ariel aller parce que arrêté présidentiel, quitter le premier ministre la pouvoir, pas Kakembe encore. Troisièmement, accaparer de tout pouvoir l'État, comme celle qu'on chante, pendant que vous pral exclu tout l'autre secteur dans la société. Plateforme politique Victoire exige pour PM Ariel Henry, pas prendre aucune provocation Neg Montana. Démarche idéale qui doit favoriser le dialogue dans une entente avec tout le monde doit faire sans force côté. Pas de personne qui doit avoir priorité sur l'autre, ou bien chercher régler les affaires d'un petit groupe. Moun qui pour prendre pouvoir dans l'intérêt pa yo. Premier ministre Landou et tout, monter un KEP de consensus qui pral inspirer confiance à toute population haïtienne. Comme ça tout, automatiquement, nous fin faire référendum pour bail maman loi pays à une autre direction. Nous pral organiser élection pour sénateurs, députés, magistrats, ensemble avec toute collectivité territoriale. Yo. Pour nous finir, nous avons rappelé que nous étions solidaires à l'accord 11 septembre 2021. En tant qu'il doit joindre, c'est pour tout le monde là-dedans, commencer sous ses socles, arriver sous tout l'autre accord unité d'Haïti. Depuis le mois d'avril, nous avons dénoncé un citoyen qui est en prison de façon illégale, que ce monde a été kidnappé. Dans le cas ça, nous écrit mini justice Binu premier ministre Ariel Henry et toute la presse pour nous dire que bon citoyen 10 ans en prison injustement sous conscience Pierre Espérance qui était kidnappé mettez le dans la machine ensemble avec trois autres moun qui dans bureau menel baron juge et puis depuis le hall dans prison pour bagarre que lui il pas connaît donc et dans ce sens ça nous mêmes nous dit que situation ça, il n'est pas cap kembe. Et hier, nous avons entendu le sénateur Lambek te parler de ça, que l'estime que c'est un monde qui est victime, qui est utilisé pour détruire le caractère monde. Donc nous dénonçons et nous disons que l'être là, arrive en toute instance qu'elle doit arriver. Nous avons continué à voir encore l'autre côté. Deuxième élément, c'est sous ça, on dit que tu es passé la saline, monde est mort. Même nous ne pouvons pas prendre plaisir dans la mort. Nous ne pouvons pas faire propagande sur le cadavre. Monsieur Pierre Espérance, c'est sous 100 personnes. Et sur le cadavre, il fait l'argent. Un ensemble de personnes ont dit qu'ils mourent, qu'ils sont victimes. Les gens sont bel et bien vivants. Comment ça fait? Il y a un groupe citoyen, d'après témoignage, que Pierre Espérance, Enol Floristal, Duclair Fernando, Gentil Manus, ils ont fait une liste, et puis dans la liste là, ils ont dit que les gens sont morts. Côté de Mounsaoué, oui, ce matin,
sous Bel Air, Poste Machin, Ravine Pintade ou bien Cité Choune. Nous avons eu l'occasion pour nous témoignage. Un groupe monde là-dedans que déjà dossier à devant paquet de Port-au-Prince pour nous faire lumière et m'aborder toi non Mounsayo et puis ça dossier ça nous prend mettre sur réseau pour nous voir que Mounsayo bien vivant et là-dedans il y a un cap travail dans la mairie de Port-au-Prince. Par exemple Georges Emmanus, Georges Beckens, deux frères ils ont travaillé dans la mairie de Port-au-Prince. Dori Jean-Roni, tout Mounsayo dans Ravine Pintade, Cité Choune, Pierre Jocelyn, Cynthia, Rissé Martin, Sophia, Sophie, Simon Mie et Latrier. Tout le monde ne va pas mourir. Ils sont bien vivants. Et nous avons des gens qui viennent témoigner. Et déjà là, nous écrit comme ministère gouvernement pour que l'étendue gens. Et si les gens nous citent là, après témoignage que nous avons pour nous dire que c'est Pierre Espérance qui est utilisé, Pierre Espérance a une responsabilité pour traduire la justice pour le commissaire gouvernement. Auditionner nous. Voyez dossier dans le cadre de numéro ça. Vous voyez tout message que vous voyez. Vous voyez tout message que vous voyez dans moi. Bah vous allez ça saisi. Et là, nous montons fil à tuya. Nous voyons que il y a un gang 4x4, association, malfecteur, Pierre Espérance. Vous voyez, toute question la posé mieux, toute conversation mieux, la déroulé autour de Pierre Espérance. Il fait le parler dans moi, il va le rendez-vous, et je viens monter. Filiali, pour assez non, monsieur, par contre, si le téléphone est sous non, nous allons chercher non. Et pour nous dire encore, actuellement, dans ma parole, Michel Gabar, troisième chef dans la gang 4x4, Pierre Espérance, il nomme la police. Comme ça, il a été le tigouave. Sous téléphone, il joue une plaque machine qui fait devant, après tout local, comme dans la plaque là. Et monsieur, il a été kidnappé. Le 5 avril, d'après témoignage, Emmanuel Bissent fait là déjà. Il fait l'avant et encore nos conférences de presse. Il a arrêté Gabar et ça qui parle intéressant pour nous connaître. DCPJ tendait Emmanuel pendant 3 heures de temps sur le dossier. Ça qui fait conférence contre Pierre Espérance. Gabar, Michelet, non mais monsieur, non mais la police. Et nous dit, commissaire gouvernement, ça l'attend pour lumière faite sur le dossier ça. Est-ce qu'il attend pour l'autre monde mourir toujours? Est-ce qu'il attend pour l'autre soi-disant massacre fait encore? C'est la peine pour que kidnapping fait encore sur le monde, nous dit non. Et dans ce sens-là, nous-mêmes nous disons que la police fait travail, même si nous avons une situation difficile. Et nous comptons rencontrer la presse pour nous faire bilan 2 ans de bataille. Nous. 2 ans de bataille, nous, c'est depuis l'heure où nous avons existé, nous avons promouvoir et le renforcement des institutions. Vous voyez, la valorisation des institutions comme toile de fond de la démocratie. Donc, et après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, nous tous avons constaté que c'est le seul groupe qui t'a fait et promouvoir, qui t'a fait promotion pour la constitution de 1987, pour les institutions républicaines qui sont capables d'assurer la transition. Hein, parce qu'en dépit de crise multidimensionnelle que le pays a traversé, maintenant nous connaissons ça, les traverser par ce qu'on appelle la méfiance. Chaque acteur politique, chaque groupe politique, une pelote. Nous ne pouvons pas avancer pour l'autre, alors que nous connaissons qui est politique fait, c'est compromis, c'est entente, c'est parler qui fait. Maintenant, nous-mêmes, après 2 ans, nous avons toujours dit que l'accord n'a pas de résultat. Et je dis à nous ne connaissons pas si c'est poivre aussi même dans l'accord accord. Nous avons tout accord, c'est dégringolade, c'est bataille, c'est chirépide, groupe qui a sorti de temps à autre, c'est dénonciation, que ce soit dans l'accord, que ce soit dans l'OEA, que ce soit dans l'organisation internationale. Chemin de l'Ivresse Haïti a continué sous même lancée 2 ans après existence. Pour nous dire que crise qui vient là. Pas mander Ariel pour quitter le pouvoir. Pas mander l'autre groupe pour faire concession. Ils n'ont pas d'accord. Donc, meilleure façon qui peut permettre que nous mettons fin avec la bataille qui vient là, c'est la Cour de cassation. Nous croyons que la population a le temps pour être clair. Nous sommes pour être clair, pour être verti par rapport avec le complot qui continue à mariner sous dol. Parce que vous ne voulez aucun projet économique vienne établir pour permettre conditions, jeunes garçons, jeunes femmes changer. Parce que je dis, la majorité des jeunes garçons, ils ont une grande alternative. Ce soit la lombase, ce soit le vent tête ou bien le vent col dans les jeunes connaissent. Mesdames, vous êtes obligés de vendre pour des bagailles qui réduisent
en de société a pour un plat manger, ça pas possible. Donc dans sens ça, chemin de délivrance Haïti, quoi? Pour nous sortir dans cette année-là, il faut que nous avons une classe politique nouvelle. Une nouvelle leadership pour une nouvelle jeune garçon, une nouvelle classe, classe politique qui pourra émerger à travers une nouvelle conscience collective qui dégageait et qui découlait pour rendre une société à l'autre vie, à l'autre allée. Une bonne armée, ce sont les gangs qui font prisonnier la République. C'est gang qui est rentré en dedans, tribunal de paix. C'est gang qui, sous le centenaire, envahit le pouvoir judiciaire là. Et premier ministre, président, n'est pas même capable de combattre efficacement souterrain là ce qui se fait pour deux raisons essentielles. Premièrement, il n'est pas charbonnier, mettre chez lui. Parce que est-ce que au moment où nous parlons, est-ce que Ariel Henry a révoqué un ministre? Est-ce qu'il est capable de révoquer un directeur général? Tel est le drame pour la communauté internationale. Et ils ne sont pas idiots, inutiles, comme dit Vladimir Ilyich Lénine, au point de ne pas s'en apercevoir. Parce que qui s'arrive? C'est primum inter pares. Un premier ministre est primum inter pares. C'est un ministre parmi les ministres qui contribue à le désigner comme premier ministre pour une période fixe, telle que le recommande la Constitution. Mais tout ceci est en question dans la communauté internationale. Alors, okay. La France, Capral Bay Coble en élection, le Brésil, l'Argentine, le Chili, qui se groupe essentiel de l'OEA, parce qu'il a parlé de l'OEA. L'OEA de droite, quand l'OEA se résume à trois pays, que l'on appelle le groupe ABC, Argentine, Brésil, Chili, ce sont les trois grands décideurs. Donc les autres sont obligés de se plier, de plier leur queue devant ces grands ours, devant ces gros tigres, devant ces bateaux pour le Potemkin. Donc, je vous le dis là, le Premier ministre n'a pas les moyens réels de sa politique. C'est pas possible que dans une prétendue démocratie représentative, qu'on en soit là. Bon problème structurel en dedans les Nations Unies et en dedans l'OEA. L'OEA, c'est une marche d'escalier pour arriver aux Nations Unies. L'OEA est au service des Nations Unies parce que qui est-ce qui crée l'OEA au point de vue du schéma théorique indispensable STI, c'est James Monroe en 1823, idée a commencé à faire placer la mise en place d'une structure géographique qui relait l'Amérique aux Américains. Donc l'OEA a gagné l'autre bagage, d'ailleurs c'est pour ça où elle mette siège les Washington. Non, c'est toujours avec pas la réglée, parce que comprenons-nous ensemble, l'OEA sans issue, communauté internationale, par contre, qui ça pour faire en Haïti actuellement. Parce que moi, je dis que le 11 septembre 2001, lors du vote de la charte sur la démocratie en Amérique latine, pour tout pays membre, l'OEA, ils ont voté la charte de la démocratie, par un droit interrompre un gouvernement élu, ou par un droit contester un gouvernement en exercice. Je vous ai été 6 mois, ils ont été sous pied. Donc l'OEA, comment va justifier ça dans le temps là? L'OEA a une bonne relation avec Haïti. Haïti, son pays qui mettait tête au bord de la société, pas mon pays prend Haïti au sérieux. En novembre, Biden avec le Parti démocrate là. Ils prennent un mi-temps, ils ont déjà perdu. Donc où est tête gouvernement Biden dans la républicain, ils prennent la chambre, puis ils disent dossier Haïti. Quand ils ont demandé, congrès qui ont demandé, nous faisons une enquête largement large. Pendant 3 mois, oh, il n'y a pas jamais encore. C'est parce qu'il y a tant d'élections là. Donc si en septembre, le gouvernement Ariel Henry va faire élection. Et bien bon, ça pour démocrate ou république faire élection encore. Son situation c'est même difficile là. Et le gouvernement de Ariel Henry actuel est un gouvernement cloué au pilori déjà devant l'OEA. C'est-à-dire que toute munition là, si on était
comprendre si vous avez gain honneur, si vous avez gain dignité par rapport à premier ministre, c'est que vous êtes allé en ligne, une des l'autre a dit premier ministre président, ah mon cher, au nom de la patrie, nous démissionnons en bloc. Maintenant, Yoshita là, ministre de l'Intérieur, zéro, ministre de la Justice, triple zéro, etc., etc. La République se meurt et la République est intégrée. Vendredi, cap 12 d'août, là, thème conférence là, de conférence débat, Bois-Caïman, y a un exemple. Mobilisation pour croiser système pesé sous CA. Ma préprendre, Bois-Caïman, y a un exemple. Mobilisation pour croiser système pesé sous CA. Conférence de Bassa, la fête vendredi 12 d'août, n'a pas commencé avec conférence débat à 11h. Nous invitons la presse, nous invitons tous militants, toute organisation de base, et pour venir nous entendre, il y a un gros conférencier qui c'est Didier Dominique qui va parler de l'exemple de Bois-Caïman, comment nous servir avec elle et pour nous mobiliser, pour nous faire transition utile, pour nous couper le système pesé sous CA. Ça a gagné 231 l'année. Depuis ancêtre, nous, esclaves, nous sommes réunis dans le nord, dans le Bois-Caïman, et pour nous arriver à casser la chaîne d'esclavage. Nous sommes arrivés à prendre une décision. Ça, à cause et 300 ans esclavage, exploitation sauvage, yo t'ap subi ensemble avec toute qualité oppression, Zach Maspinay, toute forme maltraitance sans pareil. C'était surtout environ un groupe. Nous avons estimé, peut-être historien ou pas trop clair, à 200 esclaves. Comme ça, qui te prend initiative ça. Et qui te fait rassemblement ça. Tout. Parmi eux, c'était esclaves et qui ont un talent, qui ont été divisé. Esclaves domestiques, tout. Et esclaves qui ont une influence dans la colonie. Hein. Et ça qui t'a marron. Et qui pas accepté esclavage sauvage ça. Donc yo te prend rassemblement ça. C'était en fait yo te constitué dans sens ça en force avant-garde pour toute masse esclave yo dans l'époque ça. Gros rencontre là, qui était censé y un congrès politique, c'est que malheureusement, le parti politique n'a pas jamais fait, sauf nous étant des OPL qui font bagaille l'autre jour. Ils ont tout partout sur l'île là, prend conscience et lever campé pour dire non, c'est assez. C'est comme ça, pendant 12 ans, tout esclave dans la colonie Saint-Domingue est entré en rébellion contre colon esclavagiste dans une bataille sans merci. En pile sans écouler, c'est vrai. Jouk ça, tu as pral débouché sous bataille vertière qui t'a pral mettre nous fin à craindre colon. Esclavage, pillage,
criminel. Activité ça, c'est un événement que nous relais causerie de la jeunesse haïtienne. Son événement côté que nous mettons ensemble un paquet de leaders jeunes avec un ensemble jeunes leaders pour que nous apprenions réfléchir ensemble sur une série de problèmes que le secteur jeunesse a confronté. Et c'est une activité côté qui a fait depuis de cela 4 ans. Donc nous sommes 4e édition. Nous avons une première édition qui a été faite en 2018. En 2019, nous avons fait 2e édition. 2020, nous avons fait 3e édition. Et voilà, 2021, à cause du contexte l'amour ancien président, c'est fait que nous n'avons pas été capables de faire et 4e édition. Et voilà, année ça, nous avons fait 4e édition. Et 4e édition, ça, il y a fait sous engagement politique jeune. C'est une 4e édition qui a fait dans un contexte côté que nous avons cherché à sensibiliser les jeunes pour que vous participiez dans le processus pour intégrer l'espace décisionnel. Nous avons parlé de participer dans le processus pour intégrer l'espace décisionnel. Nous voulons parler de tout poste à pouvoir qui gagne en d'un pays qui, à travers eux-mêmes, les jeunes sont capables de prendre des décisions. Il faut que gagne de jeunes qui intègrent l'espace pour prendre des décisions qui sont nécessaires pour le pays ont l'autre orientation. Et je dis à nous dans la dynamique ça, pour que nous sensibilisions les jeunes, pour que plus de jeunes qui participent dans l'élection d'un pays, pour que gagne plus de jeunes qui arrivent à prendre pouvoir dans le pays et pour le pays ont l'autre orientation. Parce que je dis on a fait face à l'échec de une génération politique qui n'a pas arrivé à livrer un rien que insécurité, qui n'a pas livré un rien que kidnapping, qui n'a pas livré un rien que chasser citoyens de territoire. Eh bien voilà, nous-mêmes comme jeunes, nous disons que ça n'a pas arrêté comme ça. Il faut que gagner une autre directive qui bat à pays. Il faut que nous mettions de nouveaux leaders dans l'espace de décision qui pour prendre des décisions nécessaires pour participer dans le bien-être pour le peuple haïtien. Et je dis, le peuple haïtien lagué au désarroi, le peuple haïtien lagué plongé dans le désespoir, et seul moyen pour que, seul espoir que vous gagnez, c'est nous-mêmes la jeunesse. Et c'est nous-mêmes qui gagnons comme seul espoir, et nous obligés bataille pour que nous ayons confiance ça, et non, bataille pour que nous arrivions dans l'espace, pour que nous prenions des décisions nécessaires capables de porter bien-être pour la population, mais tout, river bataille pour que nous-mêmes comme jeunes, nous river occuper une place qui est importante dans le pays. Je dis, je ne suis pas d'accord que une décision qu'a prend, ou je un dialogue, mais l'autre bagaille qu'a fait dans le pays et que je n'ai pas participé là-dedans. Nous ne pas d'accord ça. Nous ne pas d'accord que je dis, un processus pour que électoral qu'a fait en Haïti et que jeunes n'ont pas présent là-dedans. Nous pas d'accord ça. Et bien bataille que nous avons fait aujourd'hui, nous dit faut que nous ayons plus jeunes qui intègrent espace dans prochaine élection qu'a pour faire dans le pays. Et bien travail a commencé là, n'a sensibilisé, n'a fait formation pour eux pour que les arrivent dans espace pour prendre décision nécessaire et porter résultat satisfaisant côté que population capable satisfaire. Il y a toujours un prétexte que jeunes ont manqué d'expérience pour dire que nous pas qu'à gérer ou pas bien gérer. Et par contre, yo même, yo pas mieux qu'à gérer. Si yo t'es mieux qu'à gérer, c'est pas ça que nous avons là aujourd'hui, yon t'a ban nous comme résultat. Eh bien, je dis, jeunes yo, qui mieux compétents, jeunes qui ont l'amour patriotique, jeunes yo, qui yo même, qui plus intérêt aujourd'hui à nous servir pays à que l'autre monde ça. Parce que l'autre monde ça, généralement, ça allait au bras. Donc, c'est valise yo y a fait. OK, mais jeune yo même yo gen avenir pour préparer. Moi crois que yo pas prémé que petit yo pral vivre même situation de précarité, même situation de misère que y a vivre jodi an, et faut yo faire préparation qui était pour famille yo, faut yo faire préparation qui était pour petit yo demain si Dieu veut. Donc me pensais que jeune yo gen plus intérêt jodi an porter bien-être là. Et jeune yo suffisamment motivé, jeune yo plus motivé et jeune yo plus compétent également pour porter résultat ça. Dernier message moi c'est lancer un appel à de l'autre organisation de jeunes qui un peu partout dans le pays hein, rejoignez nous dans la bataille là. Dernier l'autre parole c'est lancer un appel à tout leader de jeunesse, à toute jeune jodi pour nous dire en déverser vers deux canaux, le parlement, les collectivités territoriales, en nous aller vers ça parce que c'est le meilleur espace côté que n'a gagné pour nous faire développement réel en dans pays. Depuis lundi dernier, nous observons un arrêt de travail pour réclamer ça, pour réclamer l'argent que l'État doit.
qui l'argent, c'est l'argent des frais de service ou bien des frais de fonctionnement que yo alloué à nous-mêmes pour nous en tant que résident 1, parce que nous-mêmes c'est des résidents qui en formation, nous pas des employés, mais cependant nous en formation et ceci c'est nous-mêmes qui a fait tout bagage dans l'hôpital là, c'est nous-mêmes qui épindons à l'hôpital là, c'est nous-mêmes qui a fait l'hôpital là marcher, mais cependant yo pas ben nous un salaire mais yo ben nous un frais de fonctionnement, mais depuis 11 mois yo pas ben nous fait ça. Et tout ça au dit nous c'est qu'il a fait des démarches et des démarches qui va jamais aboutir à un. Et nous-mêmes nous pas qu'à continuer à travailler pendant que nous pas gagner que nous recevoir ou bien nous pas bien ou bien nous pas joindre ça nous besoin. Et c'est pour cela que nous camper jusqu'à ce que yo dit nous ça y a besoin. Camper travail, il y a des services qui a fonctionné, il y a des services qui a fonctionné avec des malades qui étaient là. Parce que malades qui là on va courir derrière voir à la caillou sans pas bien. Service continue fonctionner et ceci nous carrosse recevoir des urgences, des vrais urgences. Ça veut dire monde qui pas attendre. Ça veut dire monde qui arrive l'hôpital là nous pas quitter ou mourir. Nous recevoir nous ba soin, OK, gain monde qui là qui ba soin que supposé recevoir. Pas de ça nous pas recevoir, nous pas faire nouvelle admission, nous pas recevoir aucune malade dans clinique externe. Laboratoire pas fonctionner. Tout bagage bloqué net. Devant nous, c'est que pour nous parler avec responsable direct, nous, et ceci nous prend média ou bien nous prend la presse, nous dit ça, ça veut dire que ben, c'est quel que soit le monde qui se pose au courant de ça, et il y a des suivis qui se posent. Problème, yo, bon, et comme c'est des problèmes qui ne sont pas problèmes. Parce que dit, nous, c'est des blocages, c'est des bagages administratifs, c'est des bagages que nous pensons que nous sommes supposés résoudre que juste pour qu'on ait une volonté pour faire ça. Normalement, nous sommes supposés, ben, nous, amis, c'est pas un pile bagage, non, c'est 12 600 gouttes qui partent même 80 dollars américains par mois. Pour nous faire ça en affaire, ça veut dire pour nous fonctionner, mais cependant, nous allons jeûner. Ça veut dire nous-mêmes, nous juste faire effort, des efforts en plus que nous pas besoin à faire, nous juste faire, et puis qu'on y a, bon, qu'on y a, nous pas encore. Donc nous, c'est une promotion résident 1, nous sommes une promotion qui est dans spécialisation. Mais cependant, tout l'autre résident dans tout l'autre hôpital recevoir faire ça. Ok? C'est seulement nous-mêmes dans l'hôpital là, qui pour nous jeûner. Que vous êtes obligé d'arriver là pour un problème administratif qui en fait pas dépend de vous. Et qui pas tout à fait tout dépend de personne, si je peux dire ça, c'est un système. C'est l'administration qui est un petit genre là. Mais la bonne nouvelle, c'est que son question de frais de résidence qui était gagné retard pour sortir, actuellement, je ne peux pas avec moi, là, pas cap jour avec certitude, si je ne pas même gagné temps sorti ou bien si je si en impression toujours. Parce que jusqu'à matin, administrateur, en tout cas responsable comptabilité dans le ministère Santé, était dans le ministère Finance pour finaliser le processus-là. Ça me voulait vous comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous faites grève qui fait chèque la sortie. Vous n'avez pas qu'à faire chèque sortie en 2 heures de temps si pas déjà tu as un mécanisme qui est enclenché pour chèque la sortie. Malheureusement, c'est qu'on s'allie. Chaque année, toujours bon retard dans le processus d'émission de premier chèque-là. Et on connaît tout, on ne peut jamais recevoir un chèque pour un mois. Et quel que soit le nombre de mois que vous avez pas recevoir, frère, là vous pouvez le recevoir et recevoir une quantité. Nous toujours bali, soit 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou 6 mois. Donc c'est peut-être un petit problème d'incompréhension qui fait que vous arrivez à penser que c'est grève là pour vous faire ou bien arrêt de travail là, si vous voulez. Pour ça qu'a réglé, mais c'est pas ça qui a réglé le problème. Non, en fait, c'est un problème qui était déjà en voie de résolution. Est-ce que ça a imprimé dans le ministère Finance. Il a recevoir 11 mois. Je ne sais pas qui monte en chèque la pied, mais c'est sûr qu'il a recevoir plus qu'un mois. En général, il n'y a pas recevoir un mois à la fois. C'est toujours après un certain temps. Le processus là, finalisé, nous avons une quantité de mois. Mais quel que soit le nombre de mois que vous avez que vous pas touché, au final, avant fin parcours, il a fini par toucher. Et c'est ça que nous devons connaître. Même l'État, le retard pour le payer, tant qu'on fait qu'on pas de travail là, il n'y a pas soustrait le sous-chèque. C'est-à-dire que si on fait une semaine, 2 jours, 3 jours en grève, les a touché ou touché pour l'intégralité du temps. Mais une mise au point pour nous faire tout, c'est que les résidents, ce ne sont pas des salariés, ce ne sont pas des employés budgétisés de l'État. Ce sont des gens qui sont en spécialité, donc il n'y a pas à prendre spécialité. Et il y a sous une rubrique, les rubriques stagiaires pour le ministère-là. C'est ça qui va être le problème, qui fait problème dans le récurrent. Parce que c'est à chaque fois qu'on est obligé de reprendre le même processus-là. Et même si le résident rentre en première année, il faut qu'on l'aide d'engagement signé par le ministre-là pour voyer dans la finance, pour suivre l'administratif. En fait, et même résident ça,
même là passé là dans deuxième année faut refaire même processus là parce que c'est pas tout le monde qui rentre dans première année qui continue processus là dans deuxième année il y a des monde qui quitte de propre volonté il y a des monde tout qui doit pas capable continuer que système là cap mettre à l'écart ça arrive très rarement donc son processus que chaque année pour refaire c'est dommage que c'est comme ça monde qui senti c'est pas grève pour revendiquer intérêt eux de fonctionner parce qu'en principe le problème concerne les résidents ou une partie des résidents soulevés parce que moi c'est résidents de première année qui a mené mouvement là. Donc ceci ne devrait pas en fait paralyser une institution qui a personnel salarié là-dedans, qui a infirmière, qui a auxiliaire, qui a l'autre monde, etc. Mais bon, sauf laisser la réalité, nous obligés de considérer les gens liés. Je pense que faut qu'ils réfléchissent à une autre façon de faire pour moun sa yo joine frère ça parce que en réalité son frère ça y a pas revendiqué ou bien ça y a demandé hein, c'est pas vraiment grand chose nous tout connaît ni vu situation hein, c'est pas des moun qui ont des salaires réguliers comme pour même avec moi c'est un frère ou ba yo pendant que on dans résidence là pour permettre qu'il couvre certains frais de fonctionnement mais c'est pas des moun qui ont des arriérés de salaire vraiment etc.